Bonjour Minecraftiens de ce monde, bienvenue dans l'épisode 8, c'est exact, l'épisode 8 de à la découverte de la 1.3.1. Oh yeah. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun changement par rapport à mon intro, ça on s'en fout un petit peu. Et donc je me sens un peu mieux après ce gros fail de l'épisode 7, quoi, restera dans nos mémoires, etc, etc. Donc nous avons toujours notre émeraude, on a des trucs circle stone, machin chose. Je pense bien d'ailleurs nous avons 22 levels, ce qui est vraiment pas mal. C'est vraiment, ça serait bien si nous pouvons trouver plus d'émeraudes premièrement. On va pas trop s'attarder dans les mines parce que ça fait vraiment pas mal de... Je crois que ça fait 4 épisodes de suite qu'on est dans les mines quand même. C'est légèrement saoulant je pense pour vous. Et moi j'aimerais bien un petit peu changer aussi quand même. Mais bon, d'abord je pense à vous parce que je suis pas égoïste. Parce que c'est quand même vous qui me donnez envie de faire mes vidéos. Et c'est toujours gentil de s'abonner. Alors donc je ne me suis pas aventuré de ce côté. Donc on va aller tout de suite voir s'il n'y a pas de l'émeraude. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh merde, oh merde, oh merde. Allez, on saute dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Ouh, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Mamma mia. Donc nous avons eu très très chaud. Ça, pour avoir chaud, on a eu très chaud d'ailleurs. Alors on va boucher l'eau. Merde, j'ai pas bouché l'eau. Voilà, comme ça en plus ça va faire de la cobblestone. Hop. Voilà. Quoi? Il reste encore de l'eau. Ah, elle est alimentée par là. Et donc là j'ai bloqué l'accès. Donc comment on va se débrouiller pour remonter? Ça serait bien si on arrivait à ne pas mourir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'or et voilà, c'est ça que je voulais aller faire. C'était aller chercher un seau. Et donc je suis pas allé le faire d'ailleurs. Enfin je voulais le faire avec vous, mais parce que faut le remarquer quand même, il n'y a pas eu beaucoup d'éclipse, à part donc bon le fail, donc ça vaut pas. Avant, oh, attendez, est-ce que je suis allé dans cette direction? Il me semble pas. Alors de l'émeraude, donc c'est vraiment, voilà, donc de l'émeraude, on a trouvé de l'émeraude, c'est bien. Hop, voilà, une émeraude de plus. Donc cette fois vous m'avez vu la piocher. Donc là il y a de l'or, donc ça s'en fout un petit peu. Attendez, on va voir quelle couche on est. On est à la couche 15, donc c'est aussi la couche du diamant. Oui, bon, c'est aussi, je suis un petit peu débile parce que je vois de la redstone, donc c'est logique. Donc avant qu'on remonte à aller chercher un seau, donc on va prendre cette émeraude aussi, quoique c'est... Tant qu'on y est, on va dire qu'on va la prendre. Donc c'est bien là, et on en trouve plein. On en trouve plein plein. Bah, on a trouvé pour l'instant 3 émeraudes en tout dans ces grottes. Donc je compte. Hop, alors. Enfin, il faut dire quand même, l'émeraude n'est pas super rare. Hein. Comme je l'avais expliqué, c'était. On disait qu'il était rare parce que justement, il se trouvait que dans un seul biome. Qui est donc le biome colline extrême. Mais sinon, je l'avais dit, ça se trouve à peu près, ça se trouve encore plus facilement que l'or. Le seul aussi, le fait que... Enfin... on dit qu'il est rare aussi parce que donc il y en a que un chaque fois, donc ça fait qu'on en trouve... qu'on en a moins au final que le diamant, etc. Ou on en trouve à peu près toujours un petit filion de 3, 4, 5, le max étant 9. Donc je sais pas
Par contre, si ça va changer, si l'émeraude après va devenir, je veux dire, enfin, je sais pas les intentions prochaines. Oh putain. Attendez, d'abord j'explose ce creeper. Enfin, il m'explose plutôt. Donc je disais que je ne savais pas si l'émeraude allait être après trouvée donc par plusieurs par filions ou qu'il soit après trouvé dans tous les biomes comme l'or, le fer, etc. Donc je ne sais pas. Alors, donc là c'est où j'étais venu. Donc on a déjà deux émeraudes. Enfin, on a fait pas combien, ça fait à peu près 7 minutes. Oui, après à peu près bon, je sais pas exactement. Bon, voilà, on va dire que ça fait 7 minutes qu'on tourne à peu près, donc c'est pas mal, on va dire. Alors on va remonter, on va retourner donc à notre spawn. Et nous allons donc oh putain, mais c'est pas possible, hein. Nous allons donc, je disais, récupérer un seau d'eau qui nous sera utile pour traverser plus aisément et plus en sécurité les lacs de lave. Donc on va... J'ai pas de bouffe sur moi? Non, j'ai pas de bouffe. Donc on va voir si... Je me rappelle plus si j'en avais mis ou pas d'ailleurs dans les fours. Alors, est-ce que il y en a... J'en ai pas de four. Mais qu'est-ce que je suis marrant, moi. Non, ça c'est des... dispensers. Donc vous savez quoi, on va prendre tout ce qui n'est pas utile, donc ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça aussi. Donc qui n'est pas utile au minage. Et on va laisser ce qui est utile au minage, donc hop, 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 la TNT. Les torches, on va en prendre deux, ça suffira. Est-ce que nous on va laisser ça. On va laisser ça. On va manger les pommes. J'avais pas vu que j'avais des pommes. Hop, donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit laisser? Non. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que je pourrais laisser d'autre. Donc oui, c'est bon, non. On va retourner. Là, ça se charge. On va donc retourner à notre spawn. Alors, est-ce que j'ai mon skin? Oui, j'ai mon skin. Parce que là, donc, je filme après Nether Survival. Donc, je me demandais si j'avais eu le réflexe d'aller changer mon skin. Alors, hop, hop, hop. Bah, comme ça en plus vous voyez où se situe donc ce biome. Alors donc en fait vous voyez, ça c'est le biome désert que j'avais exploré auparavant avec vous. Je sais plus exactement dans quel épisode nous cherchions les ruines du désert. Et donc après bon, j'avais fait recherche moi-même et je les avais trouvés. Donc ça, on s'en fout un petit peu ce que je dis. Donc bon, c'est tout droit là. Mais j'en ai marre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui s'amusent sur ma map à déglinguer mes arbres. Pourtant, je crois que j'ai LAN off. Hein. Shit. Sort LAN world. Non. Donc ouais, non, je suis pour... Je pense être seul. Oui, je suis seul. Alors, donc encore cette... bizarroïde de structure, donc je ne comprends pas du tout qu'est-ce que c'est. On m'avait dit que peut-être il y avait des ruines aban une mine abandonnée en dessous, donc j'ai creusé en dessous, je crois que sur une autre map,
Oui, c'est ça, et donc j'ai rien trouvé, c'est juste une sorte de puits. On va pas chercher à comprendre. On m'a dit aussi que, enfin, la même personne m'a dit aussi que, enfin, que ça venait, que ça y était dans l'1.2.5, et pourtant, enfin, je l'avais jamais remarqué, donc c'est assez bizarre. Donc voilà, donc vous voyez, là on sort de la jungle. Donc notre clairière, c'était là-bas, donc en fait on a juste, enfin, on a juste coupé la jungle et là-bas on a notre, attendez, je prends la bouffe, notre, oh putain, j'arrive plus là, on a notre biome extrême, voilà, notre biome colline extrême pour être plus précis. Donc on va bouffer la pomme. On va prendre, vous voyez, vous savez quoi, on va tuer aussi des cochons. C'est pas possible, ils tournent autour de moi là. Voilà. Par contre, je serais bien tenté, on va aller au village de PNJ. Vous savez quoi, donc on va aller dormir là. On va aller au village de PNJ et on va donc voir ce qu'on peut échanger. Ça y était pas ça. Je me sens observé. Je deviens parano, les amis. Donc je disais que nous allons voir si nous pouvons échanger des bonnes choses, donc avec nos 9 émeraudes. Ce qui est vraiment. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Alors. On va se faire un deuxième coffre. Donc je ne pense pas qu'on. Peut-être dans l'épisode 9, nous allons commencer à construire notre maison. Donc on ira chercher les ressources ensemble. Sûrement je ferai peut-être une avance rapide si cela deviendra trop long. Donc je sais plus si je me... Non, je pense pas que je l'ai précisé. Donc c'est vraiment petit à petit, vous apprenez des choses sur la 1.3.1. Donc j'ai la... Maintenant il est possible en fait d'avoir des escaliers de différentes couleurs. Donc... Comme aussi les demi-dalles, donc on peut avoir maintenant les escaliers de planches de bouleau, normal, les escaliers normales, les escaliers sombres et les escaliers rosés, donc avec des planches de jungle. Avant que je ne l'oublie, on va mettre ma viande de porc à chauffer, on va mettre les pièges. Attendez, on va voir ce que ça fait. Donc il faut que ce soit sur un bloc, voilà, comme ça. Est-ce que j'ai, voilà, j'ai des toiles d'araignée, hop hop. Est-ce que on va voir par exemple si on met une torche de, ah non, j'ai pas pris les torches de redstone. Si on met un dispenser ici, est-ce que ça active quelque chose? Non. C'est étrange. Donc j'ai vraiment... Putain, j'ai pas pris de... C'est pas possible, je fail complètement. On va pas les laisser là quand même. Non, on va les prendre. J'ai une pioche, c'est bon. Donc bon, là j'ai fait légèrement pour les pièges. On verra après pour les pièges. Donc là, c'est pas super important. Et en plus... C'est con de vous dire des choses fausses parce que je connais rien en fait. Je connais rien pour les pièges. Donc on va... Hop, ça on va ranger, ça on va ranger, on va ranger. Ça aussi. Hop, 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 donc on va aller se coucher. Donc ça, mais... Mon porc a été cuit. On va faire cuire les 3 poulets au passage. Et on va faire une bonne nuit de sommeil. Mais d'abord, c'est pas bien de dormir le ventre creux. On va, ou pardon, excusez-moi, dormir. Alors, est-ce que, on va attendre que notre dernier petit poulet chauffe. Pendant ce temps, on va mettre notre fer à cuire.
Hop, voilà. Donc on va aller dire bonjour au PNJ. Pourquoi j'ai stoppé? Non, c'était pas une pause de out of memory, c'était moi qui ai stoppé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'avais envie de stopper quoi. Alors, j'ai eu... Bon, la viande de zombie. J'ai eu l'idée qu'on pourrait en fait enfermer les villageois pour se repérer plus facilement à qui donne qui. Qui donne quoi plutôt, pas qui donne qui. Qui donc qui contre qui. Alors, nous allons voir tout de suite est-ce qu'il y a des PNJ ici. Ils sont portés disparus les PNJ, il n'y en a plus. Ah voilà là. Jusque quand je le dis, ils apparaissent. Donc là il me dit des briquets, non, non merci. 12 livres, une émeraude, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais moi je voudrais bien échanger contre du diamant, vous voyez. Du diamant, ce serait vraiment chouette. Non, va te faire quoi. J'ai envie de dire va te faire. Donc l'autre il me disait qu'il voulait 12 livres. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où il y a de la... Ah voilà, parfait. Alors toi tu veux... Ouais, 19 blés, non. Attends, c'est... Donc là tu veux... non, non, non. Moi je veux du diamant les amis quoi. Je veux les amis PNJ. Alors, c'était lequel qui voulait 12 livres? Voilà. 12 livres, une émeraude. Ah merde, j'ai pas pris mes émeraudes. Comme un con, j'ai pas pris mes émeraudes. Donc on va retourner. On va retourner à notre spawn et on va récupérer les émeraudes. Et voilà. Et je pense que ça fait bien 20 minutes là qu'on tourne. Ça fait bien 20 minutes les amis qu'on tourne. Donc ben vous voyez, on va faire. Donc je vais juste prendre. Maintenant j'ai 10 émeraudes, donc c'est vraiment très très bien. On peut. Ben, j'espère qu'on va pouvoir donc se faire. On va faire des échanges avec les PNJ. Donc on va enlever le casque pour que ce soit plus beau. Faire des échanges avec les PNJ pour trouver du diamant. Parce que il m'en reste un. Si me... Enfin, il m'en reste. J'en ai trouvé un. Attendez, on va essayer de taper sur le coffre. Coffre, ouvre-toi. Donc, vous voyez. J'ai un diamant. Donc, il m'en faudrait deux pour que je puisse me faire. Faire une pioche en diamant. Et que je puisse après récolter de l'obsidienne. Et que je puisse me faire une table d'enchant. Parce que là, j'en ai vraiment. Je pense que ce serait vraiment très bien de pouvoir s'enchanter au niveau 30. Parce que là, je suis vraiment pas loin. En sachant que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plus de 4 épisodes. 4 épisodes, oui, je me semble. Parce que ma dernière mort, je crois que c'était dans l'épisode 3. Donc oui, ça fait bien 4 épisodes que je... Non, même 5. Parce que 5 plus 3, mesdames et messieurs, ça fait 8. Et oui. Bon. Oui, enfin bref, je suis pas mort depuis 5 épisodes. C'est vraiment... magnifique, on est prêt pour une série de hardcore quoi, j'ai envie de dire, on est prêt pour une série d'hardcore. Voilà, donc assez parlé, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé, si vous avez aimé, mettez un like et un pouce bleu aussi, ça me ferait super plaisir. Et donc je vous dis donc dans l'épisode. Je vous dis donc, non, c'est pas français ça. J'espère donc vous revoir dans l'épisode 9 où nous irons échanger des choses, des belles petites choses au PNJ en espérant que à la fin nous puissions avoir 2 diamants. Et donc je vous dis à plus les amis et bye. Bye.